Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro du Topo d'Hugo. Alors aujourd'hui, on va parler de la réserve parlementaire. La réserve parlementaire, qu'est-ce que c'est ? Alors je schématise, en gros, on donne une enveloppe à un député, environ 130 000 euros, hein, c'est quand même une belle enveloppe, et il en fait absolument ce qu'il veut. Hein, voilà, donc ça c'est la réserve parlementaire. Il y a encore quelques temps, ce truc était complètement opaque. Depuis peu, les différentes lois, modifications sur la transparence font qu'aujourd'hui, on sait à quoi sert la réserve parlementaire, à quelle association elle est donnée, etc. Mais on le sait a posteriori. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas sur quels critères se base le parlementaire, ou plutôt on sait trop bien sur quels critères se base le parlementaire. C'est une forme de clientélisme institutionnalisé assez tranquillement. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que dans le programme L'Avenir en commun, on propose, dans le point 2, balayer l'oligarchie et abolir les privilèges de la caste, on propose tout purement et simplement de supprimer la réserve parlementaire qui est, voilà, comme je l'ai dit, clientéliste et favorise l'arbitraire du député qui vient arroser telle association amie et surtout telle association qui pourra faire du rabattage de voix le moment venu, le jour du vote. Mais, il y a toujours un mais. Si on n'arrive pas à obtenir la suppression de la réserve parlementaire, alors je m'engage en tant que député de la France Insoumise à mettre en place un groupe, un collectif qui sera chargé d'utiliser la réserve parlementaire à ma place et de décider à quelle association, quelle structure on donnerait cette réserve parlementaire. Parce que quitte à ce qu'il y ait de l'argent, autant que ce soit utilisé de manière démocratique, en tout cas plus collective et avec du sens, et à le faire en toute transparence. Donc voilà ce à quoi je m'engage dans ce Topo d'Hugo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, plein, vous partagez Facebook, YouTube, Twitter, vous laissez des commentaires, vous en parlez à vos amis, et puis on se retrouve dans le prochain numéro.